Yo tout le monde, c'est Dragax pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien la mif, moi en tout cas ça va super. Ouais, j'ai changé l'intro, On essaie de faire des petits trucs les gars. Aujourd'hui, vidéo sur FIFA 16 comme d'habitude. Aujourd'hui les gars, je vous présente le trio légendaire, les milieux légendaires. Comme vous pouvez, c'est vous qui choisissez le titre. Bon, en tout cas, c'est les trois meilleurs milieux du monde, de l'histoire du football pour moi. Il s'agit... Voici l'équipe. Voilà, on peut l'avoir à l'image les gars, du Steven Gerrard, du Kaka et du Andrea Pirlo, associé d'une petite équipe de MLS aux États-Unis. Voilà une très très bonne équipe. J'ai acheté Kaka Boost à 29 500 crédits. Vous pouvez voir quand même de très belles cartes. Andrea Pirlo pour ses passes avec Steven Gerrard. Regardez-moi ça, 86 de passes pour Steven Gerrard, 84 de passes pour Kaka et 93 de passes pour Andrea Pirlo. Les gars, avec un trio comme ça, je pense qu'on peut aller faire deux matchs, en match amical ou en bouclier champion, comme vous voulez. Je vais aller en bouclier champion pour une fois. Et on va tout de suite faire du sale, les gars. N'hésitez pas à lâcher le maximum de likes si vous voulez voir d'autres trios légendaires. Il y en a d'autres, hein, en attaque. Je pense à des joueurs, mais je préfère pas vous le dire. Donc voilà, lâchez un maximum de likes. Et on va tout de suite partir en match. Bon allez, on va voir ce qu'il nous propose l'adversaire les gars. Une petite BPL que l'on retrouve à l'image. Je pense que c'est un supporter de Chelsea. Il a le maillot de Chelsea, son club s'appelle Chelsea. 82 notes, collectif de sang. Il a Doumbia en attaque, Bolasi, Jesus Navas, Dembélé, Barclay, Ramsey, Walker, Brown, Sako Baba et je ne sais plus comment il s'appelle son gardien. Putain, Brown, il date de ouf. Les gars, on va tout de suite partir pour les meilleures actions de ce match. J'aimerais juste revenir sur un truc, voilà, parce que bon, là, la vidéo de jeudi, je l'avais fait un peu avant le match du PSG. On peut en parler un peu du PSG, franchement, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous pensez quand même que l'équipe du Paris Saint-Germain méritait une victoire aujourd'hui. Attention, je reviens à l'action. Ouais, donc je pense quand même que le Paris Saint-Germain méritait de mettre plus de buts. Mais bon, on espère quand même que ce club français ira au bout et se qualifiera pour les demi-finales en espérant un match retour de toute beauté de la part du Paris Saint-Germain. Mais attention, j'arrive sur Jovinko. Jovinko, il loupe la première occasion. Allez les gars, je vous laisse bien sûr les plus belles passes, tout ça, les plus gros tirs, je pense, du trio légendaire. Andrea Pirlo, le trio légendaire, Andrea Pirlo. Voilà les gars, dès la 13e minute de jeu, 1-0 pour l'équipe de Tangax. Signé Andrea Pirlo, on peut revoir à l'image ce magnifique coup franc. Voilà, je vous ai dit, ce trio légendaire, il est magnifique, voilà. Il faut encore, voilà, on a marqué Pirlo. J'aimerais bien mettre un but avec Gerrard et puis un autre but avec Monsieur Kakabous. Ce serait parfait, quoi. Steven Gerrard, qui la passe à Hakam. Oh, c'est beau, il finit. Oh, t'as pas le droit. C'était pour une petite passe de Steven Gerrard, mais non. Malheureusement, j'aurais peut-être dû faire une passe PES. Mais bon, on est fair play un peu. Steven Gerrard. Oh là, qui passe avec ses magnifiques dribbles. Steven Gerrard, on y va tout seul. Nique ta mère. Kaka. Pour Kaka. Kaka, la charrette. Voilà, c'est ça, Steven Kaka. Mais avant, il courait vite. Avant, il courait vite. Quand c'était son époque à l'AC Milan, ça courait vite. Maintenant, c'est plus trop le cas d'avant. Andrea Pirlo. C'est bien frappé. C'est un beau corner frappé de la part d'Andrea Pirlo. On en refrappe un, c'est encore bien tiré. Oh là 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 là. Andrea Pirlo, un monstre. Celui qu'on voit le moins là, c'est Gerrard. Non, Gerrard, il... Ouais, non. On n'a pas pourquoi. Andrea Pirlo. C'est bien frappé. Sur la tête d'Opara, je le rappelle, c'est le défenseur le plus rapide du jeu. En ce moment, clairement. Qu'est-ce qu'il nous fait là, ça enfle. Oh Dembélé, ça passe pas. Howard, bien joué. Tu tiens la team. Team Howard, t'as compris? Damn! Bien joué As.
Oh, ça c'est bien joué. Pour Jomeko, Jomeko, ça c'est bien joué. J'ai vu Kaka au centre. J'ai vu Kaka au centre. Mais oui, vous voyez que je veux marquer quand même avec eux. Voilà, pour qu'ils marquent tous, quoi. Ça serait sympatoche. Oh non, j'ai mal défendu. Doumbia est passé. Et Doumbia il marque. Ah, damn. Non, j'ai loupé. Non, ce qui manque au milieu de terrain, voilà. Ce très haut légendaire, c'est magique. Il touche tout le temps les ballons. Mais il manque un peu de vitesse, les gars. Franchement, retourner courir. Alors, Jovinko. Pour Gérard. Oh, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. On la passe là. Oh, c'est. Oh putain, mais c'était bien joué là. Il y a les prolongues, j'avais oublié. Il y a les prolongues comme c'est le. C'est en bouclier champion. Donc les gars, on peut encore marquer des buts. Avec Andrea Pirlo, Kaka. Et enfin Steven Gerrard. Attention, Kaka. 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 C'est capté par Adrian. Andrea Pirlo. Pour Kaka. Kaka qui n'a plus de jus. Kaka qui n'a plus de jus, mais qui a encore du jus pour frapper. C'est repoussé par Adrian. Ça aurait été un très beau but. Andrea Pirlo qui fait un corner. Oh là là, je suis chaud bouillant dans ce match. Nouveau corner. Nouveau corner. Voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, c'est rentré. C'est rentré. Oh là là, Tevez. Ah, Tevez, il va passer. Ah, Tevez, il va passer. Tevez, il va Kemar. Oh la grosse chatte. Putain, 2 buts à 1. Je vais essayer d'en marquer un, je vais essayer d'en marquer un, mais là. Bah voilà, les milieux de terrain là, les trois légendes sont assez fatigués. Il manque un peu d'endurance. Mais ça va, c'est assez sympa de faire cette vidéo. Je prends un très grand plaisir pour l'instant. Je vais essayer de marquer un but. Hein. Mais non, mais non, mais non, mais non. Putain, j'abuse. Tevez là, il a fait mal. Depuis son entrée, Tevez il a fait trop mal. Ah, ça me dégoûte. Gérard. Bien wesh. Y'a Opara qui est monté. Y'a Opara. Y'en a là-bas. Y'en a là-bas, bien sûr. Oh là là. Ah ouais, je t'ai collé, il est mort. Et voilà les gars, c'est la fin de ce match. Les joueurs sont très fatigués. Les joueurs sont très très fatigués. Voilà, donc j'arrête cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous aura plu quand même. On a testé les trois meilleures légendes, Andrea Pirlo, Steven Gerrard et Kaka. Voilà, donc on s'arrête en 8e de finale. Deux boucliers champions, ça y a rien de grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à partager cette vidéo au maximum. Et donc moi je vous dis à mardi. À mardi, tout simplement. Peace les gars.